Hey, salut les boys, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour, je dirais quoi, enfin une vidéo sur ma chaîne. Donc, ça fait une éternité que j'ai pas une vidéo sur ma chaîne. En fait, ça fait juste une semaine et demie, mais quand t'es youtubeur, faut que tu sortes des vidéos. Au fur et à mesure, sinon, il y en a qui vont se désabonner, comme c'est le cas. J'étais à 151, j'ai passé à 149, donc j'ai perdu. Je dirais 12 abonnés, ça peut être ça, 12 abonnés, oui. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour mettre les choses au clair sur ma chaîne, puis aussi vous parler d'une nouvelle série qui arrive, genre cet épisode-là, bam! Fait que, premièrement, pourquoi il n'y avait plus de vidéos sur ma chaîne, c'est très simple, c'est que on est maintenant dans le mois de mai au Québec, comme dans tous les autres pays du monde dans le mois de mai. Et puis, ceux-là qui vont à l'école comme moi, ben, ils ont des examens dans le mois de juin, donc qui me laissent un mois pour me préparer. Et puis les examens, ça s'appelle les examens du ministère, donc c'est des examens qui sont le plus important pour aller chercher. Nous au Québec, c'est un secondaire 5. Donc, là, je suis en secondaire 4 pour aller à mon secondaire 5, puis ensuite avoir un diplôme d'études secondaires pour pouvoir plus tard avoir un job. Bref, c'est compliqué un peu. Les Français, vous comprendrez pas, mais c'est pas ça qui importe vraiment. Donc, c'est ça. Donc, j'ai besoin de me préparer. J'ai besoin d'étudier, vu que je suis pas un gars qui aime l'école. J'ai redoublé deux matières. Fait que c'est ça. Fait que j'ai besoin d'étudier pour passer, puis trouver un job, blablabla, tout le blabla habituel. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série, j'ai envie de vous dire. Donc, ça va être. Dans le fond, les gameplays que je vais vous présenter, c'est des gameplays de Minecraft, comme vous pouvez voir là, où ce qu'on est sur un Hunger Game. Donc, cette partie-là, elle a très bien été pour moi. Je pense que j'ai gagné, j'ai tué 4 ou 5, 6 ou je sais pas trop combien de personnes. Donc, mais c'est pas ça l'important. Donc, là, je vais juste un peu vous dire le gameplay. Dans le fond, c'est une nouvelle série qui va vous raconter plein d'anecdotes qui est arrivé dans ma vie. Donc, puis aujourd'hui, l'histoire que vous intitule, c'est. Mais la fois, je n'ai pas vraiment trouvé de nom. Je vais sûrement trouver un quand je vais poster la vidéo. Mais bref, donc, ça commence de même. Moi, l'hiver, vous savez qu'au Québec, il y a de la neige. Je pense que tout le monde sait qu'au Québec, il y a de la neige. Dans le fond, il y a de la neige 6 mois sur 12. Puis là, les 6 autres mois, dans le fond, c'est 2 mois l'été, 2 mois le printemps, puis 2 mois l'automne. Puis le reste des 6 mois, c'est l'hiver. Et puis l'hiver, on a un sport national au Québec qui s'appelle le hockey. Et puis, je passe pas à côté de ce sport-là. Donc, je suis un grand fan de hockey. Puis moi-même, je joue, je suis même gardien de but. Et puis, à chaque année, dans le fond, on a des nouvelles équipes. Donc, début automne, on a des 4 sélections. Puis après ça, ils forment les équipes et puis on joue. Et puis, cette année-là, je rentre dans la chambre. Puis, honnêtement, je connais vraiment fuck all de personnes. Toutes les personnes que je connaissais sont dans d'autres équipes. Fait que là, je rentre de même. Bah, ok, je me dis, je vais goaler. De toute façon, je suis goaler. Fait que j'ai pas vraiment besoin de parler aux joueurs. Puis tout. Fait que c'est ça, les 4 sélections passent. Puis, dans le fond, ça a quand même bien été. J'ai une pas pire équipe, donc ça un peu hors contexte, mais on a 3 tournois, on en a gagné 2 sur 3. Et puis c'est ça, fait que là, bref, rendu au premier tournoi, là dans le fond, les tournois, qu'est-ce que ça sert à quoi? Ça sert à gagner évidemment le tournoi puis avoir une médaille et tout, mais ça sert aussi pour resserrer les liens d'amitié entre les joueurs parce que on passe quoi 2-3 jours à l'extérieur. Du Québec, dans le fond, on s'en va. Nous, c'était à Montréal notre tournoi, puis nous, on est comme je vis dans la ville de Québec, c'est Montréal, Québec, c'est 3 heures y aller. Donc, on couchait évidemment dans un hôtel pour pas tout en faire aller-retour. Donc, pour le gaz, peut-être ça coûte cher. Fait que c'est ça, on couche dans un hôtel. Et puis, dans le fond, ce tournoi-là, c'est ce qui me permet de connaître vraiment mon équipe de hockey au complet, mais plus 4 personnes. Qu'on s'est vraiment lié d'amitié, fait qu'on était 4 plus moi, ça faisait 5. Et puis en revenant du tournoi, je pense la semaine d'après, on avait une partie de hockey. Et puis on a joué. Je pense que c'était à 6h30, donc ça finissait vers 8h. Et puis on voulait faire de quoi après, mais il était tard, il neigeait tout. Fait que là, je dis au gars, bon, on peut venir coucher chez nous. Puis au pire, on fera de quoi demain matin. Fait que là, les gars, ils disent tout ok, ok, les parents acceptent. Fait que là, ils vont chez nous. Et puis, c'est ça, on va chez nous et puis là, on revient à une game de hockey, fait qu'on a faim, tu sais, on a mangé avant, mais ça brûle quand même le hockey, vu que c'est 1h30, où ce qu'on se donne à fond, ça passe long. Fait qu'on a faim, je pense qu'il est rendu 11h30, on a faim, on sait pas, on peut pas monter en haut, parce que sinon, nos parents vont se réveiller. Fait que moi, j'ai la brillante idée de dire, bah les gars, on va-tu au Tim? Dans le fond, le Tim Hortons, c'est, je sais même pas si je dois dire ça en vidéo, mais bref, dans le fond, c'est un restaurant où ils vendent des beignets, où ils vendent...
dans le fond, des wraps au poulet, pour ceux qui savent c'est quoi. Ils vendent vraiment des muffins, plein d'affaires, genre de style là. C'est comme une petite pâtisserie, puis en plus, ils vendent quelques petites choses à manger, qui sont des bagels, des choses de même. Fait que là, les gars disent, ouais, ok, mais comment on y va? On peut pas sortir par la porte d'en avant, sinon tes parents vont t'entendre. Fait que là, je dis, ben, j'ai une porte en arrière, moi. Dans le fond, comment ça marche, moi, c'est que j'ai une porte, j'ouvre la porte, il y a comme un corridor avec des escaliers, et ensuite, t'ouvres une autre porte, puis t'arrives dehors. Donc c'est ça, on dit, ben les gars, on va passer par cette porte-là, ça va être easy, on va passer tranquille, tout. Fait que là, c'est ça, on se met dans l'idée, on se prépare, tu sais, on s'habille quand même chaudement, vu qu'il fait froid, il fait genre moins 15 au Québec. Fait que, on ouvre la première porte, c'est bon, on arrive pour monter les escaliers. Et puis le problème, la porte, pour sortir par dehors, il faut la pousser. Et puis, ne pas... dans le fond, il faut la pousser vers l'extérieur. Mais on est en plein mois de janvier. Et puis, les tonnes de neige, je te dirais, qui sont 1,5 mètre, voire 2 mètres de haut. Fait qu'on a un problème. La porte ne veut pas pousser. Mais dans ma porte, il y a une fenêtre coulissante qui s'ouvre. Puis, qui s'ouvre, dans le fond, par en haut. On pousse par en haut. Et puis, dans un de mes amis, donc nous on était tous, moi et quoi, on fait 5 et 6, 5 et 7, on passe tous environ 125 livres, mais j'ai un de mes amis qui fait comme 6 pieds 2, et puis qui pesait, quoi, au moins 160, 180 livres, donc on s'est dit, bon on va essayer. Donc là, dans le fond, on essaye. On passe, dans le fond, on passe nous, les trois premiers, vu qu'on est mince, on passe. Le quatrième aussi, il passe. Puis là, c'est rendu à lui, c'est autour. Il s'appelle Joe, notre ami, ok? Il s'appelle Joe. Fait que là, il arrive pour rentrer par la fenêtre. Et puis, comme de fait, il reste bloqué. Fait que là, nous, qu'est-ce qu'on fait, mon petit ami? On se dit, ben gros, faut l'aider. Fait que là, on se met à quatre dessus. Puis là, on commence à pousser, pousser, pousser. Puis là, on entend un crack. Puis là, d'un coup, on voit vraiment la fenêtre qui fait pouf! Vraiment, genre, elle s'en va du cadre de porte. Fait que là, il y a un gros trou dans la porte. Mon ami, il y a encore. Dans le fond, où ses hanches, il y a encore les vitres. Fait que là, gros, nous, qu'est-ce qu'on fait? On trouve ça drôle. T'sais, écoute, on s'en fout. Moi, je m'en fous, même si c'est ma raison. Je m'en fous, je trouve ça drôle. Fait que là, c'est ça. Il reste bloqué. Et puis, on réussit quand même à essayer de le pousser. On arrange de quoi et tout. Fait que là, nous, gros, je suis quand même stressé, là, je deviens stressé un peu, j'ai arrêté de rire, je deviens stressé, moi, je me dis, fuck, qu'est-ce que je vais faire avec mes parents, toute la fenêtre, elle vient de péter, pis tout. Fait que là, mon ami, il me dit, ben gros, au pire, on fait ça semblant, genre, qu'il a reçu une motte de neige, pis la fenêtre est cassée, pis moi, l'innocent, je m'en vais dire, bah, où c'est correct, check, au pire, on dira ça. Fait que là, mon ami, il pogne une motte de neige pleine de glace, pis pouf, il casse la fenêtre. Fait que là, sur le coup, je me dis, ah, c'était peut-être pas une bonne idée, j'aurais peut-être juste pu le dire à mes parents, putain. Fait que finalement, dans le fond, on remet la semi-vite cassée, on pourrait dire. Elle était pas cassée vraiment, elle était juste fendue. Et puis, c'est ça. Fait que là, on s'en va au timbre, relax. Puis quand on en revient, donc, il était à peu près, on est passé quoi? Ben, on est resté vraiment longtemps, je dirais 1h30, 2h. Fait qu'il était environ 1h du matin qu'on est sorti de là. Et puis, dans le fond, une gang de 5 adolescents, dans le fond, qui se promènent dans la rue à 1h du matin, c'est un peu louche. Et puis, vous savez les stéréotypes que les policiers aiment les bains et tout. Et puis, nous, on en revient on repart du Tim Hortons parce qu'il est environ à 5-10 minutes de marche de chez nous. Et puis, au même moment, il y a un char de flic. Dans le fond, on tourne une rue pour aller dans ma maison. Puis, juste au même moment qu'on tourne la rue, il y a un char de flic qui passe genre dans le fond sur la rue, juste en diagonale un peu, ou en, je sais pas comment dire ça. Et puis là, on se dit, fuck, les flics, là on dit, bah, ok, c'est correct, ils ont passé. Mais là, des fois, là on regarde un peu en arrière, puis là on voit le char de flics qui recule, puis qui revient dans notre direction. Puis là, on se dit, fuck, les gars, on est dans la merde. Donc dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que les policiers nous ont questionné pendant au moins 10-15 minutes. Ils ont pris nos noms. Et puis ils ont demandé tous nos papiers d'identité, tout. Donc là, on avait la chienne, on pensait qu'elle avait appelé nos parents. Ma mère, elle a arrêté en vraiment excusez du mot québécois, mais elle serait vraiment en tabarnak. Fait que là, moi, j'ai la chienne pis tout. Puis finalement, on réussit à revenir. On repasse encore par la fenêtre. Fait que là, vu que la fenêtre était cassée, c'était facile. On l'a ôté, mon ami est passé, on l'a remis après. Et puis finalement, le lendemain matin, je pensais que mes parents recevraient un coup de fil ou quoi de même. Mais non, ça s'est rien passé. Donc au final, tout s'est bien passé. Et puis, on a recontinué cette petite routine-là. Les gars qui venaient chez nous. Et puis ça, il y a une autre anecdote qui a rapport avec ça. Je vais vous raconter une autre fois.
pour la vidéo. Donc, elle a touché déjà sa fin cette vidéo-là. Donc, si elle vous a plu, dans le fond, la morale, c'est de. Si vous avez un gros tas comme ami, peut-être juste pas essayer de coffrer les fenêtres. Fait que c'est un peu juste ça que j'ai à dire. Fait que si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un commentaire. Ah oui, si vous êtes resté jusqu'à la fin aussi, peut-être écrire dans les commentaires le mot banane pour savoir si vous avez resté jusqu'à la fin. Et puis, si vous avez aimé, je vous invite à liker et puis à commenter. Et puis, pour d'autres anecdotes, je vous invite aussi à vous abonner. Fait que c'était NotGhost, puis je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!